Salut les amis, c'est BCH Modding, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2011 pour une petite vidéo, une vidéo spéciale souvenir de nos deux super belles pelleteuses, la Volvo EW160 et la Volvo EC160, deux superbes pelles hein, que vous avez pu sûrement tester, jouer, prendre énormément de plaisir, et moi donc c'est pareil, j'ai énormément pris beaucoup de plaisir et construit énormément de chantiers pour ces deux super belles machines. Hein. Je vais aussi regarder celle que vous puissiez voir, hein. La EC160, hein, la pelleteuse à chenilles et la pelleteuse hein, de Matic. Donc je le rappelle, hein, le modèle by Borsalino 88 et mise en jeu script by Fred Zaza de notre équipe TP Simulation. Donc des machines hein, que vous retrouvez bien sûr sur les trois supports, hein, enfin bientôt le troisième support. Et donc c'est merveilleux, on ne peut que admirer hein, ces super belles machines hein, qui sont toujours aussi resplendissantes, hein, que ce soit dans FS11 ou dans FS13 ou FS15, hein, vous pouvez voir. Hein, j'ai même plus un penchant entre le 11 que le 13, puisque c'est vrai que dans le 11, je trouvais que la machine était vraiment... Enfin, les couleurs, tout, ça ressortait, mais enfin, même dans le 13, hein, ça reste toujours... Enfin, vous verrez, en tout cas, c'est aussi une vidéo comparative, hein, pour suivre aussi l'évolution de ces machines d'Opus en Opus directement. Vous puissiez voir un petit peu le tout début et admirer hein, ces super belles pelleteuses. Alors, nous sommes sur la carte Région de France pour Farming Simulator 2011, je le rappelle, les amis. Région de France qui est donc une carte j'avais travaillé énormément hein, pour l'adapter hein, sur ce que à la base c'était RFL, hein, une carte agricole connue hein, que je pense que bien des fans ont dû connaître et jouer et triper avec. Et moi j'avais repris donc la version pour faire une version travaux publics. Alors je vais monter dans les airs afin que vous puissiez voir un petit peu le plan et où ça se trouve. Alors RFL c'était une carte donc que j'ai modifiée sur le concept travaux publics. J'ai entièrement refaite il y a très très longtemps, enfin à l'époque du 2011, c'était au début. Et j'avais donc adapté les travaux publics, les travaux pour engins de chantier uniquement. C'est-à-dire que l'espace agricole était supprimé, on n'avait plus de fonctionnalité agricole. Sur cette carte, à la base, vous n'avez que de la fonctionnalité pour engin de chantier. Mais malheureusement, j'en suis vraiment désolé les amis, je n'ai pas pu à l'époque vous en faire profiter de cette map, puisque tout simplement, elle a toujours été en construction, elle n'a jamais vraiment pu être aboutie. Les travaux dessus qui avaient été entrepris ont toujours été... assez gros et énorme, on va dire aussi, c'était dans l'époque de mon apprentissage aussi dans le modding, hein, tout ça, donc faut dire que c'est un peu aussi dans mes débuts des premières maps aux adaptations pour engin de chantier, en tout cas, une carte sur laquelle hein, j'aurais bien aimé vous donner énormément de plaisir, hein, que vous aurez pu en profiter, hein, mais bon, après, ça m'a aussi permis de pouvoir évoluer, de créer bien de nouveaux concepts hein, dans tous ces opus, hein, d'année en année, en tout cas, ça, l'évolution a toujours été de mieux en mieux grâce au début de ses premières créations.
Alors, nous sommes sur un chantier en imitation d'un terrassement, fondation et tout. Donc, alors ici, hein, que je vous explique, c'est bien sûr en imitation. On a un trigger à l'intérieur de ce tas, de cette tranchée hein, que vous pouvez voir. Et quand on imite hein, le fait de pouvoir creuser, je le rappelle, puisque dans Farming Simulator, pour ceux, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je le rappelle, on ne peut pas creuser. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas creuser. À cette époque, on ne pouvait absolument pas creuser. Il y avait des projets toujours en cours, hein, mais bon, le temps que ça s'établisse, hein, parce que bien sûr, c'est toujours vachement long hein, de pouvoir établir des concepts assez fous comme celui-ci. Et donc là, à l'époque, il n'y en avait pas, hein, donc il fallait feinter par des triggers, donc d'une tranchée avec un trigger de seine à l'intérieur, donc le seine, le sable, hein, qui vous permet de récupérer du sable dans vos godets que vous allez pouvoir extraire indirectement hein, avec ces superbes pelleteuses de notre équipe hein, et prendre beaucoup de plaisir. Alors, je regarde en même temps, je vois que j'ai pas de camion, alors je vais aller voir ici, j'en ai toujours pas. Alors, on va aller à l'entreprise. À l'entreprise de la map, à l'entreprise Republic, où on va aller chercher déjà un camion ben. Alors c'est parti, on y va. Alors nous voici à l'entreprise Republic. Bon, à l'époque, hein, c'était pas autant détaillé que maintenant. Quand je détaille, hein, c'est sûr qu'à l'époque, c'était, comme je vous le dis, hein, dans mes débuts. Hein, donc forcément, j'apprenais, hein, il faut bien un début à tout. Hein, donc c'est vrai que c'était pas dans le plus haut du grand design, hein, mais c'était toujours assez sympa et bien fonctionnel en tout cas. Pour nos machines et prendre beaucoup de plaisir avec. Allez, c'est parti. On va pas rester traîner ici. Nous, on va prendre un camion. On va commencer par prendre. Qu'est-ce qu'on va donc prendre? J'hésite à prendre le Merco ou le Tatra. On va se prendre le Merco, allez. Histoire d'aller plus vite. Parce que je sais que celui-là, il trace pas trop mal. Allez, on va aller sur le chantier rejoindre nos deux Volvo. On va essayer de doubler en côte. Je déconseille de le faire en vrai. Bon, on s'en fout. C'est qu'un jeu. Allez, go à fond. Fond. Alors, région de France, hein, c'était un concept à l'époque. C'est vrai que je me suis quand même pas mal dépassé hein, sur ce concept parce que j'avais quand même essayé. De faire des chantiers. Alors j'avais retouché hein, la carte hein, depuis hein, bien sûr parce que j'avais voulu rafistoler quelques petits défauts hein, où à l'époque j'avais pas fait vraiment attention. Hop, attends, je vais voir ailleurs. Oh, wow. Alors la conduite c'est un peu ghetto, je suis désolé les amis, hein, c'est tout simplement parce que tout simplement. Dans FS13 bien sûr et FS15 à la manette Xbox 360 filière on accélère avec les gâchettes alors que dans FS11 c'est on tourne avec le joystick de gauche et on accélère aussi avec le joystick de gauche hein, et on freine en poussant vers l'arrière. Donc c'est vrai que ça s'avère un petit peu plus showtime pour la conduite des véhicules. C'est vrai que là si on avait un volant, on possédait un volant, c'était que mieux parce que sinon c'était chaud. Alors, on va se mettre là. Ce qu'on va faire, on va en premier tester la machine à pneus, l'appel à pneus, pardon. Aujourd'hui, je perds mes mots encore. Ça arrive, hein. Allez, on va se mettre ici. Clac, you, un beau petit plantage. Hop, on va se mettre notre camion en position de travail. Alors, vous voyez, hein, le décor est encore tout simplement pas mal, hein. Pour un jeu qui a quand même maintenant quelques années, ça reste quand même plutôt toujours sympa à jouer encore, hein, je trouve, personnellement. Toujours autant de plaisir hein, sur FS11, bon, malgré qu'il y a toujours les petits bugs, hein, comme les bas d'allocation qu'on connaît tous. Hein. Bon, après, c'est pas non plus super méchant. Allez, on va se mettre ici, nickel. Et c'est parti dans la pollution à notre camion. Elle est vraiment, vraiment très très belle quand même, c'est vrai que. Alors moi je l'avais reskinné hein, personnellement. Bon après c'est les goûts, les couleurs, hein, on aime pas. Hein. Moi c'est
à l'époque, hein, j'étais dans le trip du orange. Tout était orange pour moi, donc du coup j'avais déliré là-dessus. Alors ce qui était bien, hein, et ce qui est toujours bien, c'est que bon, après dans FS13, je sais que la Volvo, la EW, elle avait pas toutes les fonctionnalités que dans FS11 il y avait, hein, comme par exemple, hop, je vais vous faire une démonstration. Donc la lame, hein. Alors là c'est les clignotants que j'ai activés. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, elle est entièrement fonctionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les patins. Alors, on va mettre tous les patins, hein, de façon à ce que vous puissiez voir la fonctionnalité de l'appel, hein, en 2011. Hop. Hop, on appuie encore une fois sur V. Alors c'est V, hein, pour contrôler chaque patin. Alors le seul petit défaut, hein, qui à l'époque était un peu galère, c'est quand votre machine, alors je vais ressortir pour pouvoir vous montrer, quand votre machine était sur patin comme ça, elle avait tendance avec les vibrations ou je sais pas, hein, quand vous faisiez vos gestes à bouger. Alors je vais vous montrer, hein, pour vous faire la démonstration. Et c'est vrai que ça c'était un peu galère du coup. Vous voyez, elle va se décaler. Bon là c'est parce que j'ai fait un peu le bourrin. Et sinon voilà, elle avait tendance à se décaler comme ça là. Donc du coup c'était un peu galère. Alors il y avait plusieurs techniques, hein, pour pouvoir feinter, comme par exemple, hop, je vais vous montrer. Là c'est la touche 6 pour rabattre, il me semble. Non, là c'est les clignots que je suis en train d'activer. V, hop. 6 pour rabattre un petit peu. On va rabattre un peu. Hop, voilà. Maintenant, ce sont les patins. Avant. On va carrément les remonter, hein. On va pas s'embêter. C'est juste pour vous montrer, hein, qu'ils étaient bien fonctionnels. Alors 1, 2, hop. Maintenant, voilà, on soulève bien l'arrière. Hop, c'est bon. Et voilà, gyrophare fonctionnel. Donc tout était fonctionnel, hein, mis à part juste bon le petit problème de vibration. Bon, après on pouvait feinter, comme par exemple mettre légèrement ses patins. À frôler le sol, hein, et puis là, à la limite, c'était plus faisable, on va dire, sans pouvoir glisser. Alors, je vais juste mal organiser, excusez-moi, hein, mettre mon camion un peu plus comme ceci, voilà, pour être bien. Et hop, j'essaie de pas tomber dans la tranchée, voilà. Vue intérieure, alors, voyant la vue intérieure. Plutôt sympa, on a une bonne vision, hein. On a toujours une bonne vision, hein, de toute façon dans les Volvo. C'est vrai que c'est plutôt sympa, ce sont des belles machines, hein, comme en vrai, hein, c'est vraiment des machines extraordinaires. Allez hop, c'est parti, on commence à creuser. Bon, je le rappelle, hein, encore et encore, on ne peut pas creuser, hein. Bien sûr c'est une imitation avec une fonctionnalité d'un trigger qui est un trigger pour ceux qui ne connaissent pas. Est un système qui vous permet de récupérer du sable, hein, du sand, hein, précisément, ça s'appelle en anglais, mais c'est du sable pour nous. Alors, j'ai pas le godet super vraiment adéquat, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, on a, avec cette pelle, on a 3 godets, et bientôt dans FS15, vous aurez un nouveau godet de curage. Vous verrez bientôt. Je ferai la présentation. Oula, c'est pas blanc. Hop, on va se mettre en vue intérieure, profiter pleinement du poste de pilotage. Alors oui, je voulais en revenir au contrôle du bras. Alors en 2011, le contrôle du bras est tout simplement au clavier numérique, donc 7, 8, 9 pour contrôler le bras, et la touche 1 et 2 pour contrôler la cabine. Alors hop, alors on peut même aussi pour l'extension de bras, hein, vous voyez, pour le départ, regardez, je vais vous montrer avec la touche 0 et la touche 3, vous pouvez donc monter, hein, le quatrième bras, hein, directement l'extension. Si vous voulez, admettons, vous êtes sur un chargement et que vous voulez
avoir plus de facilité ou si vous voulez travailler dans des sens où vous en avez l'utilité. Alors voyez, même si c'était au pavé, alors c'est vrai que bon, plusieurs personnes disaient, m'ont dit que c'est vrai que bon, le manque du pavé directionnel au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que pour ceux hein, qui jouent pas, pour ceux, pour celles hein, qui jouent pas la manette Xbox hein, par exemple, hein, qui jouent au volant et qui utilisent forcément le clavier et souris hein, pour le contrôle des bras ou des outils comme ça par hydraulique, c'est vrai que c'est plus, ça s'avère être un peu plus galère. Mais le problème aussi, hein, c'est que après, enfin moi je trouve, hein, après il y a moins de précision si vous voulez. Parce que là, vous voyez, si je vais mettons raser, comment être précis quoi, avec des à-coups comme ça, c'est vrai que c'est chaud quoi. Donc le Moose Event est apparu en 2013, hein, où là la Volvo, vous la retrouvez. Mais ce coup-ci avec le Moose Event. Alors il me semble que le clavier, le pavé directionnel marchait encore. Et sur la version 15, je ne crois pas. En tout cas, je vous ferai la présentation d'ici quelques jours. Donc vous aurez l'occasion, enfin on aura l'occasion de voir en tout cas, hein, bien sûr. En tout cas là en 2011 ça ne marchait pas. Hein. Alors, en 2011 c'était vraiment uniquement le clavier. Du pavé directionnel, enfin du pavé numérique, pardon, là je parle pour la manette, et donc la machine hein, bah, marchait en multi, mais la personne qui était avec vous, hein, votre collègue, ne voyait pas du coup l'animation du bras. Alors, j'ai l'impression que non, c'est bon. Alors, je sais que certains godaient avec certains véhicules, certains camions. Ça délirait en principe, mais ça dépend. Non, voilà, ça a l'air de monter, c'est juste que la contenance de mon camion est quand même pas mal. En tout cas, on voit qu'elle marche plutôt bien. Voilà, toujours vraiment très très bien marché, cette machine en tout cas. Elle a toujours été vraiment super géniale. En tout cas, dans la version FS15, vous verrez plusieurs nouveautés. C'est pour ça que je tenais aussi à faire des vidéos. Enfin, refaire des vidéos hein, sur ces deux belles en 2011 hein, pour pouvoir bien vous montrer le suivi et l'évolution hein, et l'amour de la création de ces deux belles machines hein, que vous retrouverez à chaque fois hein, dans les opus hein, de Farming Simulator. Hop. Alors, on va passer rapidement, hein, histoire de tester les deux, avant de se quitter, les amis, à l'appel à Chenille. Alors, on va aller. Je vais aller juste mettre mon godet là-bas. Alors, c'est vrai que moi je suis pas trop habitué avec le clavier directionnel, même si à l'époque c'est vrai que j'ai geeké qu'un salaud à fond, hein, beaucoup, énormément. On va dire au clavier, hein, j'avais pas le choix parce que bah en plus quand j'ai commencé farming j'avais pas de manette parce que le temps que je comprenne que le jeu marchait à la manette et que j'en achète une direct parce que c'est vrai que j'étais plus console au tout début et même encore je suis encore à fond console mais bon moins parce que c'est vrai que maintenant que le modding fait beaucoup de temps quoi. Ça prend une ampleur énorme donc c'est pas évident. Alors, j'ai posé mon godet, je vais aller chercher l'appel à chenille qu'on va venir sur le côté de cette zone de chantier. Hop là. Donc voilà, terminé pour le test en tout cas de la EW. Hein, et en tout cas, vraiment génial. Hein, de toute façon, comme toujours, hein, je veux dire après, c'est un test souvenir, hein, histoire de bien comparer les deux machines. Les autres opus, hein. Bien sûr, on fera aussi une vidéo dans FS13 hein, pour pouvoir suivre hein, et aussi bientôt dans FS15 avant que la machine vous soit disponible, vous puissiez bien voir toutes les fonctionnalités de la machine. Alors, je vais le mettre comme ça hein, histoire de. Voilà, histoire de. Hein. Hop. Tac. Allez, on va décharger l'appel. Et pourquoi il avance lui? Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Hop, tac. Voilà, je déloque. En espérant que c'est bien déloqué, sinon je vais faire la toupie. Ça va être comique.
Et voilà. Non, je suis pas déloqué. Ah, bon sang. Voilà, là je suis déloqué. Voilà, parce qu'en fait, le super plateau ici, hein, que vous voyez, un système donc, de lockage, hein, donc, bien sûr connu en farming, qui donc, permet de bloquer hein, tout ce que vous pouvez mettre, véhicule ou accessoire, sur le plateau. En tout cas, c'est plutôt génial. Alors, petit bug hein, que beaucoup de fans hein, connaissent, hein, et qui est... bon, après, moi, je pourrais pas vous expliquer parce que je suis pas dans les scripts, tout ça. Bon, on se rend pas méchant. C'est quand vous êtes sur votre plateau, les chenilles tournent pas. Alors, après, je sais que dans FS13, ça a été réglé pour pas mal de machines. Il y a eu aussi quelques machines qui avaient toujours le même problème. En tout cas, bon, c'est des soucis hein, après qui sont réglés au fur et à mesure. Hein, comme vous voyez, après, tac, dès que vous descendez du plateau, ça retrouve directement... roulement. Alors hop, je vais aller me mettre de ce côté, et je sais pas si le godet là il marche bien avec, alors parce que alors, si vous voulez, les godets marchent très très bien. Alors bon, c'est pas réaliste, heureusement que c'est en no collision, sinon ce serait la catastrophe. En fait, les godets n'ont pas de soucis. En fait, c'est tout simplement les camions que j'ai en fait qui délirent. Parce que des fois, en fait, les camions qui... Je sais pas, en fait, il y a un godet qui va prendre, l'autre godet qui ne prendra pas. Donc, du coup, bah, ça... faut jouer, en fait, faut savoir, en fait, lequel... Je me rappelle plus trop. Oula, doucement. L'accélère à fond, lui. On va se speeder. On va finir ce chargement, là, rapidement. Hop, là. Moi je vais me mettre plutôt au cul parce que ça va me saouler sans arrêter de me prendre le... Je vais me mettre là, ouais. Hop. Tac, là je suis bien. On espère, on verra bien. On prend plein la figure. Alors, là, Volvo EC160. En 2011 et en 2013, elle a toujours eu un défaut. Hein, c'est un défaut hein, pour les fans. Hein, un peu choquant, même beaucoup, parce que c'est vrai que dans une BHL on n'a pas de volant hein, et puis vous pouvez voir le défaut hein, on voit donc des manivelles hein, directement par dessus le volant, mais c'est vrai que ça c'est un souci hein, qui sera réglé hein, et qui à l'époque n'avait pas été réglé. Bon, après je sais pas hein, c'est peut-être pour des raisons de temps ou qu'il n'y avait peut-être pas la possibilité. Alors ça j'aurais pas trop d'infos à l'époque. Je sais que c'était un souci en tout cas qui devait être résolu en 2013 et qui à mon avis sera résolu pour les versions 15. Alors, je sais que dans la version 13, je sais plus si en version 13 on a eu une version sans le volant ou si elle avait le volant. Enfin bref, après c'est pas méchant, sachez que ça a été régularisé en tout cas dans les nouvelles versions. En tout cas ça c'est vrai que c'était pour les premières versions, mais bon après ça n'empêche pas la beauté de la machine, hein, comme vous pouvez voir, hein, la machine elle reste quand même toujours magnifique. Hein, c'est vrai que avoir ces deux super beaux modèles, hein, alors c'est vrai que je sais pas si elle a été disponible la version Hachny en 2011. Je sais que la pelle à roue, ça c'est clair qu'elle a toujours été dispo, mais alors la version Hachny, je sais plus du tout, je me rappelle plus, je serais incapable de vous dire les amis. Je m'excuse. En tout cas, dans FS15, hein, quand elle sera dispo, vous pourrez y accéder, hein, bien sûr, je le rappelle, sur notre forum. Je mettrai le lien, comme toujours, hein, dans la description. Alors, oula, un petit coup de lag. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, excusez-moi. Alors, j'ai eu un petit coup de lag, hein, je suis vraiment désolé. Alors, je voulais vous prévenir aussi, les amis, hein, excusez-moi, parce que des fois, j'avais pas eu le temps de vous prévenir les vidéos, que... plusieurs fans, hein, plusieurs abonnés m'ont prévenu hein, qu'il y avait des petits soucis avec certaines des vidéos où il y avait des... Alors, je vais couper le... Oui. Ah non, excusez-moi. Oh, je suis en train d'augmenter le bruit. Alors, je vais descendre. Oui, alors, que je voulais vous prévenir et m'excuser que j'avais quelques petits soucis avec ce pet-boulon de frappe hein, qui me pose souvent bien des problèmes, et aussi Sony Vegas, dont d'ailleurs je suis en train de voir pour pouvoir changer de programme, parce qu'il est en train de me gonfler sévère ce programme de ouf, là. C'est que des fois je me tape apparemment des écrans noirs, mais j'ai regardé, c'est même pas apparemment, c'est sûr, en fait, des fois dans des vidéos, il arrive hein, que j'ai des écrans noirs,
Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors au début, j'ai remarqué que c'était mon intro quand je mettais deux fois l'intro. Après, il y a eu un problème avec le 720. Il y a eu un souci avec un réglage de je sais pas quoi. J'ai essayé de régler le problème. À chaque fois, ça revient, ça continue. Donc c'est pour ça que je voulais changer mon programme et passer à un autre programme. Donc je suis en train d'essayer d'apprendre à travailler sur un nouveau programme. Donc j'ai du mal à le prendre en main. Donc une fois que je l'aurai pris en main, bah, j'essaierai de rectifier le tir, hein, parce que c'est vrai que là c'est un peu chiant. Des fois du coup ça fait des... Ou ça fige pendant la vidéo, ou alors ça peut faire des écrans noirs, ou des fois bah, vous ne m'entendez plus. En tout cas, bah, merci en tout cas de signaler ça, hein, parce que c'est vrai que j'avais pas... Je regarde la plupart du temps, tout le temps, les vidéos, hein, pour bien voir en tout cas si tout est bien mis en place. C'est vrai que des fois j'ai pas tout le temps remarqué en tout cas ces défauts, mais c'est vrai que... Pour tous ceux, hein, qui suivent bien les vidéos, c'est vrai que c'est pénible quand même ces problèmes. Donc en tout cas, excusez-moi encore, hein, j'essaierai de résoudre les soucis au mieux. Hein, parce que en tout cas, je sais que Frappe, bah, souvent, la plupart du temps, ou ça plante, ou alors il me fait des trucs de fou, genre des lags de taré. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres nouveaux programmes. Hein, je pense que c'est pour ça qu'il faut... Faut tester autre chose aussi, hein. C'est pour pouvoir. Ah, ça recommence. Eh bien, mauvaise nouvelle, les amis, je vais devoir vous laisser ici puisque j'ai un problème. Je viens de regarder, hein, sur mon frappe là et je sais pas ce qui se passe. Il fait que planter, se rallumer. Donc là, il me casse les bonbons. Là, je sais pas. Il y a des fois comme ça, hein, ça arrive. Alors, c'est con que ça arrive en pleine vidéo comme ça, mais bon, bah, je vais devoir expressément et rapidement commencer à tester bien mon nouveau programme, hein, et, enfin mes nouveaux programmes, hein, pour bien voir lequel sur lequel je peux vraiment mieux travailler sur mes vidéos, hein, parce que c'est vrai que là, avec Frappe, plus ça va et moins je m'en sors. En tout cas, j'arrive de moins en moins à trouver les réglages adéquats, hein, et au final, plus je m'en sers et plus je me rends compte que ça plante, c'est catastrophique. En tout cas, je suis vraiment désolé, les amis, hein, dernièrement d'avoir fait des vidéos comme ça avec des qualités. Un peu médiocre au niveau, bah, des problèmes de bugs. En tout cas, j'essaierai de me rattraper prochainement dans les futures vidéos avec ces nouveaux programmes, hein, que je vais tester, qu'on m'a conseillé. En tout cas, je vous remercie à tous ceux et toutes celles, hein, qui m'ont conseillé plein de programmes, hein, pour les vidéos et les systèmes, hein, pour pouvoir convertir toutes les vidéos et tout, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Puis bon, moi, c'est vrai qu'après, j'ai pas non plus une grosse connaissance là-dedans. Moi, c'est plus le modding, mon délire. C'est vrai qu'après, quand je sors de ce monde, je veux dire, je suis un peu paumé, donc les programmes de... Vidéo, tout ça, c'est un peu pas trop évident, mais en tout cas, j'essaie d'apprendre au mieux pour pouvoir m'en servir et pouvoir toujours vous proposer du contenu intéressant et surtout de qualité, hein, pour pouvoir avoir des bonnes vidéos sans problème et sans souci. En tout cas, je vous remercie encore, hein, les amis, de m'avoir signalé, hein, ces défauts, ces soucis dans mes vidéos YouTube. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement dans bien d'autres vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!